peux faire le scandale, hein, la crise, tout ce que tu veux, on s'en fiche complètement. Je m'en fous. Eh ben voilà, vas-y, continue. Non. Non. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens de me mettre une gifle et de me faire tomber les lunettes? Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, et cette fois-ci il s'agit d'un best-of de Super Nanny. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, bonne vidéo. J'ai envie d'être au milieu de toute la journée, lui au milieu. Comme ça, là. Maman. Ça suffit, ça suffit. Est-ce qu'il y a encore mes chaussures? Assis. Est-ce que tu penses que c'est bien? Tu t'excuses tout de suite. Sinon, tu vas aller dans ta chambre réfléchir. Est-ce que tu entends? Et comment on fait pour s'excuser? Non, certainement pas comme ça en me tournant le dos. Très bien. On oublie. On en reste là. Alors qu'elle sort sur le palier pour récupérer son balai, le petit de 5 ans décide de claquer la porte au nez de sa mère. Laisse-moi rentrer. Tu rentres pas. Allez. Ouais, allez, tu peux le raquer. L'appeler toi. Déboussolée par cette scène, une vérification technique s'impose pour Super Nanny. Bah, vous pouvez rentrer. Oui. Mais pourquoi vous sonnez et vous lui demandez? Bah, parce que sinon, si je rentre comme ça, bah, il va pas vouloir. D'accord. Sinon, il va me remettre dehors. Je vais attendre au moins 15 minutes dehors. Je sais pas pourquoi, elle me tire la langue. Pardon, viens avec moi. Tout de suite, si mademoiselle. Je me refuse à ce qu'il y ait un manque de respect. Je ne veux pas que ces petites filles pensent une seconde qu'il est possible d'avoir ce genre d'attitude. Te mets ici et tu ne bouges pas. Est-ce que c'est clair? Si. Tu n'as pas à me tirer la langue. Tu n'as pas à me manquer de respect. Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, tu vas rester ici le temps que moi je décide. Non. Ça ne sert à rien, c'est pas toi qui vas gagner. C'est pas grave, je m'en fous. Eh ben voilà, vas-y, continue. Quand tu seras calmée et que tu décideras de t'excuser auprès de moi, tu retourneras peut-être au restaurant. Impuissante face aux cris de son fils, Jennifer utilise la seule méthode qu'elle a trouvée pour le calmer. Je te donne un bonbon et tu t'insoutes. Je me sens désemparée parce que je sais pas quoi faire. T'en choisis un seul. Un bonbon. C'est tout. J'ai même pas envie de faire de commentaires. Toi, dans ce sens-là, je veux pas te voir te tourner. Tu ne te tournes pas. Tu dors. Oh là là. Celui que j'entends, je viens le chercher et je le mets dans le couloir. Allez, on dort. Catastrophe. Catastrophe. Et une fois la porte fermée, pas question pour Clément de pouvoir faire un sourire à sa sœur Maëlys. C'est qui que j'entends déjà? Mince! Tu te retournes! La prochaine fois, Clément, la prochaine fois, ça va très mal se passer, t'auras des gros problèmes. Et toi, c'est pareil! Pose ta tête! Je regarde. J'aime pas ça. C'est quoi que t'aimes pas, là? Je comprends pas ce qu'elle dit. Ça. Oh, c'est la crème. Ah, c'est la crème. Non, j'aime pas le crème. Non, j'aime pas la fraise. La confiture. Non, j'aime pas le petit bout. Alors maintenant, si ça te fait plaisir, tu manges. Si tu as pas envie de manger, tu manges pas.
tu vas te laver les dents et tu vas faire dodo. Bon, allez, très bien. Tout le monde a terminé, là? Ouais. Tout le monde, c'est fini. Allez, hop. Et tu peux faire le scandale, hein, la crise, tout ce que tu veux, on s'en fiche complètement. Alors tu vas tout de suite au lit parce que moi, tu ne me craches pas dessus. Alors que les trois petits rejoignent leur chambre, une surprise l'attend dans celle de Clément. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Pompom Pelop, là? Presque. C'est la lumière. C'est la lumière pour dormir? Non, c'est pour fermer les volets. Le choix du luminaire dans la chambre de Clément est très étonnant. D'où la facette. Dans une chambre d'enfant. Je n'en reviens pas, je me demande quelle est l'idée. Pourquoi ?